Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez des belles vacances. Donc, premièrement, avant de commencer le cours, il y a 2 semaines environ, il y a Alexandre qui m'a demandé c'était quand qu'on allait voir les abeilles. Mais c'est aujourd'hui. Donc, je vais commencer le partage d'écran sans plus tarder. Donc, cours d'entomologie jeunesse, séance 5. Ça passe vraiment vite, on est déjà rendu à l'avant-dernière séance. Donc, ici, séance 5, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les hyménoptères, les strepsiptères, les neuroptères et les mégaloptères. Donc, les hyménoptères, ça va être un cours un peu plus long parce qu'on va voir ce grand groupe-là qui regroupe les abeilles, les bourdons, les guêpes et les fourmis. Donc, il y a même un essaim des abeilles. Donc, c'est pour ça que je vais passer un petit peu plus de temps sur les hyménoptères que sur ces trois autres ordres-là. En fait, beaucoup plus de temps. Et ça se peut que le cours déborde un peu, qu'il soit un peu plus long que d'habitude, un peu plus long qu'une heure. Sauf que, puisque c'est encore une fois une séance enregistrée, ben, vous allez pouvoir l'écouter à votre rythme et l'écouter par partie si vous voulez. Donc, on va commencer. Hyménoptéra. Donc, les hyménoptères, ce sont les abeilles, les bourdons, ici, les guêpes et les fourmis. Donc, c'est un vraiment grand ordre, il est super diversifié. Puis, il y a environ 130 000 espèces connues à travers le monde. Mais ça, on pense que c'est une sous-estimation. Donc, on pense qu'il y a beaucoup plus d'espèces que ça. C'est juste que les guêpes, il y a des guêpes qui sont toutes petites mini-riquiquis, qui ne mesurent même pas quelques millimètres. Et ça, ben, ça rend la collecte beaucoup plus difficile. Donc, on pense qu'il y en a plein des guêpes qu'on n'a juste pas encore découvert, mais qu'il y a beaucoup plus que 130 000 espèces à travers le monde. Sinon, pour ce qui est du Canada, on en aurait environ 8 757 espèces. Bon, maintenant, comment reconnaître les hyménoptères? En fait, ils vont tous avoir une taille de guêpe, on appelle ça, c'est comme ça ici. On peut voir la guêpe, mais là, elle a une petite constriction. On peut voir que entre son thorax et son abdomen, c'est super serré, c'est tout petit. Mais ça, c'est sa taille de guêpe. Je l'ai même encerclée ici sur cette photo-là de la fourmi. On peut voir sa petite taille de guêpe ici. Chez les abeilles et chez les bourdons, ça va être vraiment moins visible, mais ils ont quand même une petite taille de guêpe. Sinon, ils vont avoir des petits crochets qui vont lier les deux paires d'ailes. Si on regarde la photo du bourdon ici, là, on peut se dire, j'ai l'impression qu'elle a seulement deux ailes. Ça, c'est grâce aux deux petits crochets. Donc, si on regarde l'autre photo, on peut bien voir, si on regarde à la base des ailes, accrochées au thorax ici, qu'il y a vraiment deux paires d'ailes. On peut voir ici la paire d'ailes antérieure, donc celle en avant, et la paire d'ailes postérieure. Donc, on voit vraiment bien ici là, la différence entre les deux. Puis, on peut voir aussi qu'ils sont bien collés. Mais ça, c'est à cause des petits crochets. Donc, les petits crochets, ils lient les deux paires d'ailes ensemble. Comme ça donne l'impression qu'ils ont juste une paire d'ailes. Ensuite, tous les hyménoptères vont avoir un dard qui va être soit pour piquer, ça tout le monde le sait bien, les abeilles peuvent nous piquer, les guêpes aussi, mais ce n'est pas toutes les abeilles qui piquent, ni toutes les guêpes qui piquent. Donc ça, on va en parler un peu plus tard. Donc des fois, le dard va être modifié et adapté plutôt pour la ponte, plus pour pondre que pour piquer. Donc, les abeilles qui ont cette forme de dard-là, ils ne vont pas pouvoir nous piquer. Leur dard va être trop fin pour pouvoir transpercer notre peau. Sinon, à quoi ils servent les hyménoptères? Ben, ce sont des importants pollinisateurs. Donc là, ici, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la pollinisation? Juste au cas où, je vais faire un petit résumé de la pollinisation. Donc, en gros, vous savez comment ça se passe, la reproduction, autant chez les mammifères que chez les humains. Il faut qu'il y ait un mélange des parties femelles, de la matière génétique femelle et mâle. Chez les plantes, c'est le même principe. Il va y avoir des fleurs. Ici, des fleurs femelles et des fleurs mâles ou des parties femelles et des parties mâles sur les fleurs. Et là, il y a des grains de pollen. Donc, on peut voir, vous avez sûrement déjà entendu parler du pollen. On peut même les voir ici sur l'abeille. Donc, tous les petits points jaunes sur les poils de l'abdomen de l'abeille, et même, il y en a partout, même sur le thorax ici, donc partout sur les poils de l'abeille, il y a des petits grains de pollen qui vont se coller. Ben, les grains de pollen, c'est l'équivalent de la partie mâle chez les fleurs. Puis, il y a le stigmate qui va être la partie femelle chez les fleurs. Donc là, il faut que le pollen et la partie femelle entrent en contact pour pouvoir permettre la prochaine génération de fleurs. Sauf que ça, c'est difficile à faire puisque les fleurs ne se déplacent pas par elles-mêmes. Donc là, il faut quelqu'un, quelque chose qui va coller ces deux structures-là ensemble ou les mettre en contact. Donc, ce sont les abeilles, souvent les abeilles, les mouches, les bourdons, parfois les petits coléoptères, les thrips, j'en avais parlé aussi au dernier cours. Donc,
C'est plein d'animaux, des insectes comme ça qui vont être en charge de la pollinisation. Donc, puisque les grains de pollen vont être collés au corps de l'abeille ici, par exemple, l'abeille, elle va se déplacer, elle va aller d'une fleur à une autre. Puis là, les grains de pollen, ils vont entrer en contact avec toutes les autres parties des autres fleurs. Et là, ça va féconder les fleurs. Donc, ça va mettre en contact les deux parties et ça va permettre d'assurer la prochaine génération de fleurs de cette espèce de plante-là. Sinon, les hyménoptères vont être très importants en lutte biologique parce qu'il y a beaucoup de guêpes qui sont parasites, donc qui vont contrôler les populations d'espèces qui sont plus nuisibles. Ensuite, on va commencer par les abeilles. Donc, il y a environ 350 espèces d'abeilles sauvages au Québec. Donc, souvent, quand on va penser aux abeilles, ben, on va penser à l'abeille domestique, sauf qu'en fait, l'abeille domestique, c'est une seule espèce d'abeille. Toutes les autres espèces, il y en a beaucoup que c'est des abeilles qui vont être solitaires, donc qui ne vont même pas vivre dans une ruche, qui vont vivre toutes seules et qui ne vont pas produire de miel. C'est des abeilles qui vont avoir un mode de vie complètement différent, puis ça, je vais en parler dans quelques instants. Donc, au Québec, on a six familles d'abeilles sauvages et je vais en présenter cinq parmi les six parce que l'autre, il y a à peine quelques espèces, puis vous risquez vraiment moins de les croiser. Sinon, puisque je parlais de la pollinisation tantôt, ben les abeilles sont responsables de plus de 75 %, en fait, de la pollinisation de plus de 75 % des variétés de plantes cultivées sur la planète entière. Sinon, pour faire la petite distinction entre les abeilles à miel et les abeilles sauvages, c'est que les abeilles à miel sont rendues domestiquées. Donc maintenant, c'est des abeilles sociales qu'on va tout le temps retrouver dans les ruches que les gens, que les apiculteurs vont avoir et qui vont élever eux-mêmes. Alors que les abeilles sauvages, c'est des abeilles qui vont être toutes seules, qui vont souvent vivre dans le sol, qui vont se faire des petits terriers, un peu comme les rongeurs, comme les petites souris qui vivent dans le bois. Donc, ils vont se faire des petits trous dans le sol, puis ils vont avoir un mode de vie complètement différent. Donc, les caractéristiques pour différencier les abeilles, ben, en fait, pour les reconnaître, ça va être leur taille de guêpe, comme j'ai dit tantôt, qui est un peu moins visible que chez les guêpes, mais ici, on peut quand même la voir sur la petite osmie, une petite abeille. Puis ici, on peut la voir quand même un petit peu. Sinon, une caractéristique qui est propre aux abeilles, c'est qu'ils vont être très poilus. Donc, on peut voir sur les trois photos ici, les trois vont avoir vraiment beaucoup de poils et ça, c'est justement pour la pollinisation. Donc, c'est pour être capable de transporter les grains de pollen. Donc, l'abeille n'a même pas besoin de ramasser les grains de pollen avec ses pattes. Les grains de pollen vont tout simplement coller à elle. Comme ça réduit le travail qu'elle va avoir besoin de faire. Donc, on peut voir tous les petits grains de pollen ici, partout sur ses poils. Et ici, on peut voir cette abeille-là aussi, elle est quand même assez poilue. Et celle-là aussi, on peut bien voir qu'elle a des poils un peu partout sur son corps. Donc, le mimétisme. Souvent, là, je vais faire une petite pause des abeilles, mais souvent, dans le monde des insectes ou même le monde animal en général, il y a beaucoup d'organismes vivants qui vont copier. C'est comme s'ils se déguisaient en d'autres insectes pour éviter de se faire prédater. Donc, il y a plusieurs photos ici, puis je vous demanderai de deviner ou d'essayer d'identifier lesquelles sont des hyménoptères, donc lesquelles sont des abeilles, des bourdons ou des guêpes. Je vais vous laisser quelques instants. Donc, parmi ces photos-là, il y a des insectes qui ne sont pas des abeilles, des bourdons ou des guêpes, mais qui les imitent avec leur coloration, avec leur forme, avec leurs poils, mais qui n'en sont pas en réalité et qui ne peuvent pas piquer. Donc, je vais vous laisser quelques secondes. Vous pouvez mettre pause à la vidéo, puis moi, je vais enchaîner. Donc, je n'ai pas fait comme au dernier cours avec les coléoptères. Je n'ai pas que mis des mimes, mais il y a seulement une vraie guêpe là-dedans, et c'est celle-là ici. Donc, ça, c'est la guêpe. On peut voir très clairement sa taille de guêpe. Elle a quelques petits poils, mais c'est assez subtil. Elle n'en a pas beaucoup. Elle a des longues antennes, comme ça, et des yeux plus fins et ovales comme ça ici. Alors que toutes les autres, ce sont des mouches. Donc, les mouches, on va les voir au prochain cours, mais les mouches, leur caractéristique, c'est qu'elles ont seulement une paire d'ailes. Donc, on peut voir ici, par exemple, que la mouche, c'est un cirque, n'a qu'une seule paire d'ailes. Donc, ça, c'est déjà un premier indice. Sinon, on peut voir que tous les spécimens ici, ils ont des antennes super courtes, alors que les guêpes ont des antennes un peu plus longues, comme ça ici. On peut voir des tout petites antennes avec des petites boules au bout. Même chose ici, des mini-antennes, encore une fois des antennes courtes, des
petites antennes qu'on voit à peine et ici aussi des antennes super courtes. Donc, on peut même voir ce spécimen-là, il y a quelques poils, mais il n'y a pas de taille de guêpe. Celle-là non plus, elle ressemble un peu à une abeille domestique, l'abeille à miel, mais elle n'a pas de taille de guêpe non plus. Celle-là non plus n'a pas de taille de guêpe. Celle-là non plus, elle ressemble à un bourdon, mais elle n'a pas des longues antennes, puis son corps et ses yeux, sa tête, c'est vraiment une tête de mouche, là. Au prochain cours, on va mieux voir les mouches, mais c'est pas des yeux fins comme les guêpes, comme celle-là ici. Sa tête est vraiment collée au corps. Elle n'a pas l'air d'avoir de petits coups comme la guêpe ici. Donc, c'est plein de petits indices comme ça qu'on peut cibler. Sauf que c'est quand même très difficile, puis je vous demande pas d'être capable de reconnaître les guêpes des mouches. C'est juste que c'est bien à savoir, des fois, il y a plusieurs personnes qui vont confondre les cirfes, par exemple. Les cirfes, c'est des mouches qui ressemblent, qui font beaucoup de mimétisme et qui ressemblent aux abeilles. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir peur. Quand ils vont voir un cirfe, ils vont dire, ah, je pense que c'est une abeille, puis avoir peur de se faire piquer. Mais finalement, il faut pas avoir peur parce que c'est une mouche qui peut aucunement nous piquer. Pour continuer avec le mimétisme, ici j'ai mis un plus gros plan d'un cirque, donc les mouches qui imitent les abeilles. Et ici, un autre insecte, vous avez pu le remarquer, ce n'est pas une mouche, mais c'est un coléoptère. Donc ça, c'est ceux de la séance 4, les insectes que j'ai présentés à la séance 4 dans la partie 2. Donc ça, c'est un longicorne, on peut voir qu'il y a des longues antennes et un corps aussi long. Puis lui, il y a des lignes jaunes sur une coloration noire pour imiter, encore une fois, les abeilles et les guêpes, pour éviter de se faire prédater. Sauf qu'encore une fois, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais les longicornes, j'avais dit au dernier cours que souvent, ils étaient seulement broyeurs, ils mangeaient la végétation, donc ils ne peuvent pas nous piquer. Puis ils n'ont aucun intérêt à nous piquer ou à nous mordre, en fait. Ensuite, je vais commencer avec l'abeille à miel. Donc, l'abeille à miel, comme j'ai dit tantôt, est semi-domestique. Et en fait, ce n'est même pas une espèce qui est indigène, donc qui vient du Québec. C'est une espèce qui est originaire d'Europe. Donc, on a décidé, les humains, de l'élever, entre autres pour le miel, mais aussi pour la pollinisation. Donc, maintenant, je vais nommer quelques ressources, donc quelques fruits ou des légumes qui dépendent de 90 à 100 % de la pollinisation des abeilles. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, les fruits, on a besoin d'avoir de la pollinisation. Donc, il faut qu'il y ait fécondation des plantes pour que les fruits naissent. Donc, tous ces fruits-là, on n'a pas le choix, il n'y a pas le choix d'avoir de la pollinisation par les abeilles pour qu'ils apparaissent. Je ne sais pas si c'était clair, mais dans le fond, on a besoin des abeilles et on a besoin de la pollinisation pour avoir tous ces fruits-là. Donc, les pommiers, les amandiers, les cerisiers, les oignons, les concombres, le coton, les arachides et les melons. Il y a même beau, il y en a beaucoup plus que je n'ai pas nommé. Mais tout ça dépend de la pollinisation. Donc, si un jour, il n'y avait plus d'abeilles, ben, on aurait beaucoup de difficultés à avoir tous ces aliments-là. Donc, c'est pour ça, c'est juste pour vous faire réaliser à quel point les abeilles et les autres pollinisateurs, les papillons aussi, c'est des pollinisateurs, sont super importants pour notre nourriture, pour nous. On dépend en partie d'eux. Sinon, il y a 80 % des plantes à fleurs qui dépendent de l'abeille à miel pour sa reproduction. Et finalement, il y a la production de 35 % de la nourriture que nous, les humains, on consomme qui dépend des pollinisateurs. Finalement, quelques caractéristiques pour identifier l'abeille à miel. Donc, elle va avoir un corps quand même assez trapu. Donc, ça, c'est un petit peu dodu. Elle va avoir un abdomen quand même assez long par rapport au reste de son corps. Elle va avoir une coloration noire à l'extrémité de son abdomen, mais des fois, ça peut varier entre du jaune, noir, ou juste du noir au bout. Donc, ça va dépendre, mais généralement, ça va être cette coloration-là, avec cette forme-là. Et elle va avoir des pattes noires. Sinon, on peut voir que sur ses pattes arrière, elle va avoir des petites corbeilles à pollen. Donc, ça, c'est comme sur la photo ici. On peut voir sur ses pattes arrière, ça va toujours être sur les pattes arrière. Elle a une rangée de poils qui sert à collecter le pollen. Donc, c'est pour ça que le pollen va tout le temps se trouver ici. Donc, on va voir les petites boules de pollen. C'est pas l'abeille qui va déposer le pollen sur sa patte. C'est le pollen qui va coller là parce qu'elle a des poils qui sont faits pour collecter le pollen à cet endroit-là. Et sinon, ben, l'abeille à miel, vous le savez sûrement tous déjà, mais elle peut piquer. Peut-être même qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont déjà fait piquer par des abeilles, mais elles peuvent piquer.
Donc, les ouvrières vont avoir un dard au bout de leur abdomen. Et même s'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les abeilles sont agressives parce qu'ils peuvent nous attaquer ou nous piquer, les abeilles vont plutôt être défensives plutôt qu'agressives. Donc, les abeilles ne vont pas nous piquer si elles ne se sentent pas menacées, vraiment, si elles pensent qu'on peut les tuer ou qu'on menace la ruche ou la colonie au complet. Là, ils pourraient nous attaquer, mais si on ne les dérange pas, si on reste calme, si on ne pile pas sur leur nid, sur leur ruche, les abeilles ne vont pas venir nous piquer parce qu'une piqûre vient avec un grand sacrifice, souvent. Je vais vous montrer ici. C'est quand l'abeille va piquer, il y a une partie de son abdomen, l'extrémité de son abdomen qui va rester attachée au dard. Et des fois, il y a même un peu d'intérieur, l'intérieur de son abdomen qui va sortir de son corps parce que son dard est muni de petits poils qui vont bien maintenir le dard à l'intérieur de notre peau. Ce qui fait que l'abeille, quelques temps après la piqûre, va tout simplement mourir parce qu'elle va perdre un bout de son corps, littéralement. Donc là, je vais vous montrer une vidéo où on voit quelqu'un qui se laisse piquer par une abeille pour montrer qu'est-ce qui se passe, sauf que cette personne-là, c'est quelqu'un qui élève des abeilles et qui s'est laissé piquer et qui a laissé l'abeille essayer de se déprendre par elle-même pour voir si le dard partait tout le temps. Ben en fait, si le dard restait tout le temps pris dans la peau. Donc ici, on peut voir le dard d'une abeille. C'est vraiment la petite pointe ici. Et là, on peut voir l'abeille qui a piqué le monsieur. Et là, elle tourne, elle essaye de se débattre pour être libérée puis pouvoir s'envoler. Mais puisque, je vous l'ai dit tantôt, le dard a des petits poils, ben, l'abeille est comme pris là. Puis on peut voir que ce qui se passe après, je vais juste mettre pause. Ouais. Ce qui se passe après, c'est que le dard continue à injecter le petit venin dans la peau. Donc ça, c'est ce qui donne l'enflure, c'est ce qui fait qu'on réagit et même que certaines personnes sont allergiques, ça peut être assez dangereux pour certaines personnes. Donc quand on se fait piquer par une abeille, si le dard reste dans la peau, c'est bien de l'enlever le plus vite possible pour limiter la quantité de venin qui va rentrer dans notre peau. Mais sinon, tantôt, je vous l'ai dit, il y a l'intérieur de l'abeille, des fois un peu l'intérieur de son abdomen qui sort et qui reste avec le dard, ben c'est ça ici. Donc là, l'abeille qui a piqué le monsieur, elle va mourir parce qu'elle a perdu une partie de son abdomen et même de l'intérieur de son abdomen. Par contre, là, le monsieur va le montrer. Bon, là, il y a une autre prise de vue. Et ici, il y a une autre abeille qui a piqué le monsieur. Là, elle tourne dans l'autre sens pour essayer de se déprendre. Il y en a une autre ici qui lui a piqué le doigt, puis on peut voir qu'elle va se déprendre, elle va réussir à se libérer. Le dard ne va pas rester pris, donc là on vient de le voir. Le dard n'est pas resté pris dans le doigt du monsieur, ce qui fait que l'abeille a pu survivre à la piqûre. Qui n'arrive pas habituellement quand la personne se fait piquer et là, elle s'agite, elle tasse l'abeille. Ben là, si on donne un coup brusque, c'est sûr que le dard va rester dans notre peau et l'abeille va mourir. Donc, les abeilles à miel sont aussi connues pour leur socialité. Donc, ça, c'est le fait qu'elles vont vivre en communauté et qui un peu en société, un peu comme nous, les humains. Donc, les colonies d'abeilles, on va un peu les voir comme étant des super organismes. Même s'il y a des milliers d'individus dans une ruche, c'est comme s'ils agissaient comme s'ils étaient un seul être, comme s'ils étaient un seul être vivant. Ils vont vraiment tout agir pour le bien commun, pour le bien de la colonie et non pour le bien d'elle-même. Donc, une des caractéristiques des ruches ou des insectes sociaux, comme les abeilles ou même comme les fourmis, c'est qu'ils vont avoir différentes castes. Des castes, c'est comme si on séparait la société en différents rôles. Donc, eux, ils vont avoir les femelles reproductrices. Donc, ça va être la première caste. Donc, les reines.
va avoir toujours une seule reine, par couche. Ensuite, il va avoir les femelles non reproductrices, donc les ouvrières. Et ben, les ouvrières, c'est celles qu'on va voir butiner aussi à l'extérieur. Et la dernière caste, c'est les mâles reproducteurs qu'on va également appeler les faux bourdons. Donc, la reine ici, le faux bourdon et l'ouvrière. Et ici, on peut même voir des petites cellules dans la ruche. Donc, on peut voir que la reine va pondre un œuf. Ici, tout petit. Ensuite, la larve va émerger. Les ouvrières vont la nourrir. Elle va grossir, grossir, grossir. Et là, on va la voir, pouf, elle va remplir la cellule. Et finalement, quand elle va se transformer, en fait, juste avant qu'elle se transforme en pupe, les ouvrières vont refermer la cellule comme ça. Donc, je vais le montrer, je vais encore plus l'expliquer tantôt sur une autre image. Donc, ici, je vais vous parler un petit peu plus de la reine. Donc, la reine, je l'ai encerclée ici, elle est vraiment plus grosse que les autres abeilles. On peut voir que son abdomen est super long. C'est un peu normal parce que la reine, tout ce qu'elle fait, c'est pondre. Donc, la reine, elle, pour devenir une reine, elle va être nourrie entièrement de gelée royale. Donc, ça, c'est une petite substance que les abeilles vont créer elles-mêmes. C'est avec ça que les abeilles vont être nourries. La particularité, c'est que la reine va juste être nourrie de gelée royale, contrairement aux autres abeilles, aux autres castes. Comme je l'ai dit aussi, oh non, je ne l'ai pas encore dit, mais la reine, on ne va jamais la voir. On ne va presque jamais voir des reines abeilles parce que une fois qu'ils sont établis dans leur ruche et qu'ils ont commencé leur colonie et qu'ils ont commencé à pondre, c'est tout ce qu'ils vont faire. Ça va être leur travail temps plein, ils vont juste pondre et ils ne vont jamais sortir de la ruche parce que c'est la personne la plus importante dans la ruche, vu que c'est elle qui donne naissance à toutes les autres abeilles. Donc, on ne veut pas risquer de perdre la reine. C'est pourquoi elle va tout le temps rester dans la ruche. Et comme j'ai dit, puisque tout ce qu'elle va faire, c'est pondre, ben, ça veut dire que ça va être la mère de toutes les abeilles de la ruche. Ensuite, les ouvrières. Les ouvrières, elles, vont avoir une alimentation composée. Donc, pendant les 3 premiers jours de leur état larvaire, ils vont être nourris de gelée royale, mais après, ça va tout de suite changer à d'autres choses. Donc, ils vont être nourris de nectar et de pollen. Donc, l'alimentation normale, on va dire, des abeilles. L'alimentation de base. Ensuite, en fonction de son âge, elle va occuper différents rôles dans la ruche. Donc, les ouvrières, c'est celles qui vont travailler vraiment. Donc, elles vont faire plein, plein d'affaires. Donc, dans leur début de vie adulte, elles vont s'occuper du nettoyage. Donc, ils vont nettoyer la ruche, faire du petit ménage comme ça en attendant que leurs glandes se développent. Les glandes pour nourrir les autres abeilles, enfin pour nourrir les larves des autres abeilles. Donc, ici, le deuxième travail des ouvrières, ça va être d'être nourricière. Donc, elles vont s'occuper de nourrir les larves dans la ruche. Donc, de nourrir ses sœurs. Ensuite, elles vont être cirières. Donc, les cirières, c'est elles qui vont s'occuper de former, de construire des nouvelles cellules. Donc, ça ici, c'est une cellule. Ça ici, c'est une cellule. Donc, tous les petits trous tantôt, ça, c'est les cellules. Donc, c'est les petits hexagones qu'on voit souvent, qu'on dessine dans les ruches, là. Ben, c'est ça. Là-dedans, c'est là qu'on va pondre et c'est là-dedans que les larves vont grandir. Puis, puisqu'il y a vraiment beaucoup de larves, beaucoup de naissances dans une ruche, la reine a peu. En fait, il peut avoir jusqu'à 40 000 abeilles dans une même ruche, donc il peut en avoir vraiment beaucoup. Ben, ça veut dire qu'il faut construire des cellules. Il en faut vraiment beaucoup. Ensuite, elle peut être gardienne. Donc, les gardiennes, c'est un peu comme la police de la ruche. C'est ceux qui vont protéger. Les gardiennes, ils vont défendre la ruche contre les frelons, les guêpes, les ennemis, les prédateurs. Donc, c'est les abeilles qui vont défendre le reste de la ruche. Ensuite, elle va devenir ventileuse. Donc, les ventileuses, c'est celles qui vont gérer la thermorégulation de la ruche. Donc, ça, c'est un mot compliqué, mais tout ce que ça veut dire, c'est qu'elle va gérer la température de la ruche, à l'intérieur de la ruche. Et finalement, le dernier emploi que va avoir une ouvrière, ça va être d'être butineuse. Donc, ça, c'est la seule chose qu'on va faire souvent quand on n'est pas nous-mêmes apiculteurs ou qu'on n'a pas de ruche. Ben, c'est pas mal juste ça qu'on va voir les abeilles faire, c'est butiner. Donc, butiner, c'est se promener d'une fleur à l'autre pour transporter le pollen et ensuite le ramener jusqu'à la ruche pour ramener les ressources, donc le petit pollen, à la ruche. Donc, ça, tous ces emplois-là, tous ces travails-là, toutes les ouvrières vont passer par ça. Dans les premiers jours, elles vont faire ça, ensuite plus vieilles, elles vont faire ça, ensuite de plus en plus vieilles.
Puis, les abeilles ouvrières vont vivre environ 4 à 6 semaines seulement. Donc, c'est les 3 dernières semaines de leur vie, ils vont butiner. Les 3 premières semaines, ils vont faire tout ça en ordre. Et ensuite, les 3 dernières semaines qui vont être plus vieilles, ils vont avoir plus d'expérience, ben, ils vont pouvoir sortir de la ruche et le butiner puis aller sur les fleurs. Donc, ça ici, c'est juste un petit schéma pour vous montrer le développement des abeilles. Donc, les hyménoptères, une des raisons aussi pour lesquelles c'est un ordre qui est si diversifié, c'est parce qu'ils ont une métamorphose complète. Donc, comme les coléoptères, comme les papillons, donc il y a l'œuf, ensuite il y a la larve, il y a le stade immobile, la nymphe qui ne se nourrit pas, et ensuite l'adulte. Donc, il y a les 3 stades. Donc, là, on peut voir que la reine, elle a pondu un œuf dans le fond de la cellule. Ensuite, la larve est grossie, 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 grossie. Et là, quand elle est rendue au dernier stade de la larve, les ouvrières vont venir refermer la cellule pour qu'elle se transforme en nymphe. Et ensuite, quand elle a fini sa nymphose, donc quand elle se transforme en adulte, ben là, elle va gruger. La petite entrée, le pouf, elle va ressortir. Puis là, on va la voir comme ça ici, une abeille adulte en santé. On peut voir ici. Tantôt, c'était un petit dessin, c'était un schéma, mais là, on peut le voir en photo. Donc là, c'est la cellule qui est bien refermée. Et là, on peut voir l'abeille qui est en train de gruger pour sortir. Elle gruge, elle fait son petit trou juste assez grand pour pouvoir sortir la tête. Et après, hop, elle va se dandiner un petit peu, puis elle va réussir à s'extirper de la cellule, donc à en sortir. Bon. Et là ensuite, quand on vit en société, qu'est-ce qui est primordial? Ben, c'est la communication. Donc, c'est un petit peu étrange de s'imaginer que les insectes vont parler. Enfin, ils vont pas vraiment parler, ils vont pas avoir de conversation vraiment, mais ils vont quand même communiquer pour se transmettre des informations importantes, comme par exemple où se trouve une source de nourriture. Donc, il faut qu'ils s'échangent des informations comme ça pour se dire, par exemple, où sont les prédateurs, où est la nourriture. Donc, communiquer des informations qui vont maximiser la survie de la ruche. Donc, les abeilles vont communiquer à travers des danses. Donc, on peut voir ici, moi, je trouve que ça ressemble à un petit grain de café ou à une miche de pain. Donc, ça, c'est le petit parcours qu'une abeille va suivre quand elle va faire sa danse et indiquer une information aux autres abeilles. Donc, premièrement, la direction de sa danse, elle va donner plusieurs informations dans une même danse. Il faut être très attentif, puis c'est beaucoup de choses à retenir. Vous êtes, encore une fois, je vais faire un petit rappel, vous n'êtes pas obligé de tout apprendre par cœur ce que je dis. Vous êtes juste là pour apprécier le cours, puis prendre le plus d'informations que vous pouvez. Puis c'est ça. Je ne veux pas que vous vous mettiez de la pression ou que vous vous disiez oh, je ne me rappelle plus de telle affaire. Ce n'est pas grave, les cours sont toujours déposés sur YouTube et vous allez pouvoir les réécouter si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose que vous oubliez. Donc, parce que là, je sais que c'est un cours chargé, il y a beaucoup de matière, mais c'est vraiment pas grave si vous comprenez pas tout, si vous suivez pas tout. Moi, je veux juste que vous ayez du plaisir à en apprendre sur les insectes. Bon, je ferme ma petite parenthèse. Donc, à travers les danses, il va y avoir 4 informations importantes qui vont être transmises aux autres abeilles. Donc, premièrement, la direction. Où se trouve la source de nourriture? Donc, la direction va être indiquée grâce à l'angle que l'abeille va utiliser quand elle va faire sa petite danse. En fait, toutes les abeilles, ils ont une horloge interne, ils ont comme un 8e sens qui leur permet de savoir où se trouve le soleil. Donc, l'exemple que l'abeille est ici et que le soleil est là. Ben, elle, si elle fait sa danse dans cet angle-là, qui est 65 degrés, ben, ça veut dire, ça indique aux autres abeilles que la source de nourriture est à 65 degrés du soleil. Puis ici, on va dire qu'il y a la ruche. Sinon, donc première chose, l'angle. Ensuite, la distance. La distance à laquelle se trouve la source de nourriture. Ça va être déterminé par la vitesse de l'abeille quand elle fait sa danse. Donc, si elle fait son parcours super rapidement, comme ça veut dire que la source de nourriture va être plus proche. Puis si elle fait sa danse vraiment lentement, c'est que la source de nourriture va être plus loin. Sinon, une autre chose qui va indiquer, c'est la quantité de nourriture. Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs ou s'il y en a juste un petit peu? Donc ça va être à travers son frétillement qu'elle va le communiquer.
Donc, le frétillement, c'est ça ici, là. C'est les petits zigzags comme ça ici. Ben, si son mouvement il est comme ça, si vous voyez mon curseur, là, s'il y a une super grande amplitude de mouvement, que les vagues sont vraiment hautes et vraiment basses, ben ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de nourriture. Mais si elle frétille juste un petit peu, donc elle se dandine juste un petit peu de gauche à droite, ben ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture. Et finalement, ben, la nature de la nourriture. Donc, c'est quoi la nourriture? C'est une fleur, c'est ben, une autre espèce de fleur. Donc, il y a plusieurs, les abeilles peuvent se nourrir sur plusieurs espèces différentes de fleurs, mais ça, elles veulent communiquer à travers son odeur. Donc, l'abeille, tout simplement, qui s'est posée sur la fleur, ben, va sentir cette fleur-là et les autres abeilles vont pouvoir le sentir et savoir c'est quoi la source de nourriture qu'elle essaie d'indiquer à l'île. Donc, ça, c'est la danse en rond. En fait, non, ça, c'est la danse frétillante. Il y a deux types de danse. Il y a la danse en rond, c'est vraiment plus un rond, là. Il n'y a pas le petit frétillement au milieu. Ça, c'est pour indiquer qu'il y a de la nourriture à moins de 100 mètres. Donc, quand la nourriture est à moins de 100 mètres, c'est pas très loin pour les abeilles, puis ça sert à rien de dire la direction. Les abeilles, de toute manière, vont aller assez loin, puis ils vont tout simplement tomber sur la source de nourriture et ils vont la trouver. Donc, ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de frétillement, c'est qu'elle n'a pas besoin d'indiquer de direction. Et sinon, il y a la danse frétillante, comme c'est celle-là ici que je vous explique depuis tantôt. Ça, c'est quand la nourriture est à une distance de plus de 100 mètres. Donc ça, c'est peut-être pas clair pour l'instant, mais je vais vous montrer une vidéo, puis ça va être beaucoup plus clair. Ici. 1 minute 42, 4 minutes 10. Je vais fermer le son. Donc ici, on va voir l'abeille qui va faire sa petite danse. Ici, vous voyez, ça c'est le frétillement. Là, elle fait son demi-cercle, son frétillement, demi-cercle encore. Frétillement. Je recule encore pour qu'on le revoie là. Demi-cercle, frétillement. C'est celle-là ici. Demi-cercle, frétillement. Ensuite, 4 minutes 10. OK. Donc, ce que j'expliquais, c'est que l'abeille, elle a son huitième sens, puis elle est capable de tout le temps savoir où est le soleil par rapport à elle. Comme ça ici. Donc là, toutes les abeilles, même si le soleil il bouge pendant la journée, sont capables de savoir où se trouve le soleil par rapport à elle et donc par rapport à la ruche. Donc là, exemple que la source de nourriture est ici. La fleur est là. Ah. Bon. Ça, c'est la photo que j'avais montrée tantôt dans le PowerPoint. Donc là, il y a le soleil ici. Là, l'abeille, elle va danser dans cette direction-là. Par exemple, que la source de nourriture est ici. L'abeille, elle s'est rendue et là, elle va retourner à la ruche. Et là, à la ruche, c'est là qu'elle va faire sa danse pour montrer aux autres abeilles dans quelle direction est la fleur. Je vais avancer un petit peu la vidéo. OK. Donc là, l'abeille, ça, c'est son frétillement. Ici. Donc, la durée va varier. On peut voir que ça va y prendre plus de temps, puis elle va danser plus longtemps si la fleur est à une distance plus grande. Donc, si elle est plus loin de la ruche. Si c'est plus court, ben, c'est que la fleur est plus proche de la ruche. On dit qu'une seconde de danse équivaut à environ 1 km de distance. Ça, ici, c'est la danse en cercle. Comme ça, ici. La danse en cercle, tantôt, ce que j'avais expliqué, c'est l'autre type de danse. C'est quand la nourriture est à moins de 100 mètres de la ruche. Donc, elle est vraiment proche. Là, ici, ce que ça explique dans la vidéo, c'est que quand il y a du vent, ben, ça peut prendre plus de temps à l'abeille de se rendre à une source de nourriture. Donc, là, quand elle va danser après, sa danse peut être un peu plus longue, même si la distance n'est pas plus grande. Ça va y prendre plus de temps à faire sa danse parce que ça va y avoir demandé plus d'énergie se rendre à la fleur.
Donc ça, c'est sa petite danse ici. Si le soleil est là et que la source de nourriture était ici, ben elle va faire sa danse en suivant le frétillement va suivre l'angle que les autres abeilles doivent suivre pour trouver la source de nourriture. Donc là, elle va faire ça ici. Elle va faire son frétillement et elle va retourner comme ça. Donc, si la source de nourriture est ici, elle va danser dans ce sens-là. Et finalement, ici, ce que ça explique, c'est pour parler de l'abondance. C'est la vague dont je vous parlais, l'amplitude qui va être différente. Et ça, ben, c'était pour représenter l'odeur. Donc, comment détecter c'est quoi la nourriture que l'abeille a trouvée? Ben, c'est avec l'odeur que l'abeille va transporter. Voilà. Donc, j'espère que c'était clair. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions. OK. Non. OK, c'est bon. Ensuite, la troisième caste, c'est les mâles reproducteurs, qu'on appelle aussi les faux bourdons. Donc, en fait, les caractéristiques pour les reconnaître, c'est qu'ils vont être plus gros. Eux, ils n'ont pas de dards. Donc, ceux-là, on pourrait les manipuler, puis ils ne pourraient pas nous piquer. On pourrait les prendre avec nos mains, puis c'est sûr qu'ils ne seraient pas contents, mais ils ne pourraient pas nous piquer comme les ouvrières. Eux, ils n'ont pas de corbeille à pollen parce que leur rôle, ce n'est pas la pollinisation. Ce n'est pas de butiner. Leur rôle, ça va être de féconder les reines. Donc, de s'accoupler avec les reines pour faire une prochaine génération de reines. Prochaine génération d'abeilles. Ensuite, les faux bourdons vont avoir des beaucoup plus gros yeux que les abeilles. Donc, c'est surtout comme ça qu'on va les reconnaître. Je vais vous remontrer la photo. Le faux bourdon, c'est lui. Donc, on dirait presque une mouche, là. Il y a des yeux vraiment plus gros que les autres, que les femelles, que la reine et l'ouvrière. Les rôles des mâles, ça va être surtout au début, le maintien de la température dans la ruche, la répartition de la nourriture, et ensuite, comme j'ai dit tantôt, ça va surtout être l'accouplement. Une fois l'accouplement fait, ils vont mourir. Donc, souvent, ce que les mâles vont faire, c'est qu'une fois qu'ils vont être assez vieux, qu'ils vont avoir l'âge, ça va être la période, ils vont sortir de la ruche et ils vont tous se regrouper, les mâles de plein de ruches différentes, vont aller se regrouper à un endroit. Et à un moment donné, ben, les reines, quand ça va être le temps de se faire accoupler pour se partir une nouvelle ruche, ben, ils vont aller là où tous les mâles se sont rassemblés et c'est là qu'il va avoir l'accouplement. Et une fois que l'accouplement est fait, les mâles vont mourir. Donc ça, c'est super important que les mâles de différentes ruches se retrouvent parce que ça va permettre de mélanger le bagage génétique pour que les ruches ben, aient une génétique plus forte. Donc, c'est tout pour les abeilles domestiques. Les abeilles, maintenant les abeilles solitaires. Donc, il y a plein d'autres abeilles que, bon, les abeilles sauvages. Il y a plein d'autres abeilles qui, elles, sont indigènes du Québec, donc qui viennent d'ici et qui ne vont pas vivre dans des ruches. Donc, ils vont avoir celle-là dont je vous disais au début du cours qui allait avoir une vie complètement différente que les autres abeilles. Donc, premièrement, elles vont être solitaires. Donc, ils vont vivre toutes seules. Puis, ils ne vont pas donner des soins parentaux. Ils ne vont pas nourrir leurs larves. Ils ne vont pas faire tout ce que les autres abeilles que l'abeille domestique fait, parce qu'ils vont vivre toutes seules. Ils vont s'occuper de leurs œufs, de leurs larves, et c'est tout, pas celles des autres. Donc, les Alic... Puis là, je vais vous présenter plusieurs familles. Donc, la première famille, c'est les Alectidés. Donc, les Alectidés en anglais, on les appelle aussi les sweat bees. Donc, sweat en anglais, c'est la sueur. Donc, parce que ces abeilles-là, parfois, sont attirées par la sueur. On ne sait même pas pourquoi. Mais on pense qu'il y a peut-être des petites molécules dans notre sueur qui peuvent être nutritives pour elles. Sinon, leurs caractéristiques, ben, il y en a plusieurs qui vont avoir des rayures sur l'abdomen, mais ce n'est pas toutes les espèces. Et sinon, il y en a plusieurs aussi qui vont avoir des couleurs vives, comme il y en a qui vont être comme bleu, vert, métallique, comme celle-là ici, qui est comme un vert avec ses rayures. Ici, celle-là qui est comme bleue, avec des reflets un peu métalliques, et celle-là vert, avec encore une fois des reflets un peu métalliques. Donc, on va avoir des super belles couleurs. Et ça va être des abeilles qui vont nicher dans le sol. Donc, elles, leur terrier, qu'on va appeler, leur petit nid va vraiment être fait dans le sol. Donc, souvent, on peut même piler
sur un petit nid, puis on s'en rend même pas compte. De toute façon, c'est pas très grave parce que l'abeille est dans le trou, elle est vraiment plus creux dans le sol, ça va pas l'affecter. Mais des fois, il faut vraiment prêter attention, là. Il faut regarder des fois si on voit une abeille, puis on la suit. Des fois, on va voir qu'ils vont rentrer dans le sol, puis on va trouver leur terrier de cette manière-là. Aussi, les abeilles solitaires sont très utiles à la pollinisation parce que celles-là, ils vont avoir des relations un peu plus spécifiques avec certaines plantes et leur pièce buccale, donc leur bouche, leur petite paille, va être beaucoup plus petite que celle des abeilles à miel, ce qui va faire qu'ils vont être capables de polliniser beaucoup de plantes que l'abeille à miel ne va pas être capable de polliniser ou que ça va être beaucoup plus dur pour elle et qu'elle va moins bien le faire. Donc, les abeilles solitaires en général vont polliniser une beaucoup plus grande diversité de plantes, beaucoup mieux. Ensuite, les andrennes. Celles-là aussi vont être solitaires. Les caractéristiques pour les reconnaître, c'est qu'elles ont des petits poils courts et fins sur le visage. Donc là, c'est un petit peu dur à voir. C'est pas toutes les abeilles, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'être capable de les reconnaître. C'est des petits détails que je dis, mais c'est juste pour ceux qui veulent en savoir plus. C'est des abeilles qui vont nicher dans le sol, elles aussi. Donc, on peut voir ça, c'est du petit gravier. Puis hop, il y a le petit trou ici, puis l'abeille qui va vraiment rentrer dans le fond pour aller faire son nid. Donc, souvent, elles vont se faire des galeries souterraines. Donc, il y a beaucoup d'abeilles qui vont utiliser des galeries souterraines, soit que c'est elles qui vont les creuser elles-mêmes, soit qu'ils vont utiliser des petites galeries qui ont été abandonnées par d'autres animaux, des terriers de petits rongeurs, par exemple. Donc, il y a plein de cavités dans le sol qui ont déjà été faites ou qu'elles vont creuser elles-mêmes. Et elles, les andrennes, par contre, ils vont visiter un nombre limité de plantes. Donc, c'est pas comme les abeilles à miel qui vont voir plein, plein, plein d'espèces différentes de plantes. Eux, ils vont être limités à quelques-unes, mais ils vont mieux les polliniser. Et cette famille-là d'abeilles, ils ont le dard atrophié. Donc, ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais atrophié, ça veut dire qu'il est comme, il est rapetissé, il est plus petit, donc il est plus faible. Et ça fait que ces abeilles-là, même les femelles, sont pas capables de nous piquer leur dard, il est trop petit. Ensuite, les mégachiles. Les mégachiles, c'est une autre famille d'abeilles solitaires vraiment, vraiment mignonnes. Donc, elles ont des petits poils collecteurs de pollen sous l'abdomen. Donc, ça, c'est une manière vraiment facile de les reconnaître. Parce qu'à la place d'avoir des petites boules de pollen sur les pattes, ben elles, leur pollen, ils vont le collecter sous leur ventre, donc sous leur abdomen. On peut voir ici tous les petits poils fins, comme ça, ici, les petits poils blancs, un peu argentés. Ben c'est vraiment là. Ils vont juste se frotter sur la plante et les grains de pollen vont naturellement coller dans les petits poils. Donc, c'est comme ça qu'elle va traîner son pollen sous son abdomen et non sur ses pattes. Sinon, elles aussi, ils vont nicher dans des cavités, des galeries naturelles, mais elles, ça va plus être dans le bois que dans le sol. Donc, des petits trous faits dans le bois, des petites cavités, autant dans des petites cabanes qu'on peut leur faire ou dans du bois mort. Donc, ça va vraiment dépendre, des espèces. Puis, eux, sont vraiment particulières parce qu'ils vont construire leur nid avec différents matériaux. Donc, il y a des abeilles qu'on va appeler les abeilles coupeuses de feuilles, les abeilles maçonnes, les abeilles cotonnières. Donc, ça, c'est des abeilles qui vont utiliser soit des feuilles pour faire leurs petites cellules, pour pondre leurs œufs dedans, donc pour faire leur petit nid. D'autres abeilles, les abeilles maçonnes, qui vont utiliser ben, de la terre, puis là, ils vont mélanger ça avec leur petite salive, puis ça va faire de la boue. C'est pour ça qu'on les appelle les abeilles maçonnes. Il y en a d'autres que c'est les abeilles cotonnières qui, elles, vont utiliser les poils. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de plantes qui vont être pubescentes, qu'on appelle, donc qui ont du poil dessus. Donc, il y a des abeilles qui vont ramasser ce petit poil-là pour faire leur nid. Donc, ces abeilles-là, c'est des petites abeilles bricoleuses, ils sont capables de ramasser plein de ressources différentes sur les plantes pour se construire leur petit nid. Donc ici, c'est une abeille mégachile, une abeille coupeuse de feuilles. Je vais vous montrer comment elle coupe ses feuilles. C'est super intéressant. Donc on peut la voir ici, on peut même voir un petit peu ses poils sous son abdomen. Et là, hop! Elle coupe la feuille, ça prend pas de temps. Elle se coupe un petit cercle, puis elle va ramener ça à son nid. Bon, c'est pas vraiment un cercle, mais là, elle ramène ça jusqu'à son nid. Je vais vous montrer la prochaine vidéo.
Même chose. Là, l'abeille, elle a coupé son bout de feuille. Elle va transporter ça It's the jusqu'à curled son up nid leaf pour... circle between her legs. Voilà. Donc, elle transporte le petit bout de feuille et elle l'amène ici. Ça, ce que vous voyez, c'est des pailles en bois. Donc, ça, c'est des gens qui ont construit une petite cabane. Donc, souvent, nous, on va faire des cabanes pour les oiseaux. Mais il y a des gens aussi qui font des cabanes pour les abeilles. Donc, ça, c'est des petites cabanes en bois avec des pailles en bois comme ça ici. Puis ça, c'est des cavités qui sont parfaites pour les nids de ces abeilles solitaires-là, donc pour les mégachiles. Donc, les abeilles, ils vont prendre leur petit morceau de feuille, ils vont rentrer dans le trou, dans la paille, puis ils vont faire leur petite cellule pour pondre leur œuf. On peut le voir ici, elle aborde son bout de feuille et là, hop, elle va rentrer ça dans le trou. On peut le voir ici, une autre sorte de cavité. Elle va rentrer là. Puis elle va faire sa petite cellule. Ici, dans la paille, on peut voir qu'elle avait déjà mis beaucoup de feuilles. Donc là, c'est un petit schéma pour vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de la paille. Parce que nous, on ne peut pas le voir. Mais là, en fait, c'est que l'abeille, la femelle, elle a mis sa petite. C'est plein de morceaux de feuilles comme ça. Ce n'est pas un seul morceau. C'est plein, plein de petits morceaux de feuilles qu'elle a mis ensemble. Et là, ça, elle va mettre du pollen, du nectar. Donc, des sources de nourriture qu'elle a ramassées sur les fleurs. Elle va mettre ça dans la cellule comme réserve de nourriture pour son bébé qui va naître. Et ensuite, elle va pondre. Pouf! Ça, c'est le petit œuf. Donc, c'est toujours un seul œuf par cellule. Ensuite, elle va refermer ça avec d'autres bouts de feuilles. Et là, on peut la voir ici, elle referme la paille. Donc, il peut avoir jusqu'à une vingtaine de cellules dans la longueur de la paille. Comme c'est plein, plein, plein de cellules. Puis, elle va en faire jusqu'à ce qu'elle ait plus d'énergie, plus de nourriture, plus de temps. Elle va en faire le plus possible. Et ensuite, généralement, la femelle va mourir. Elle va avoir accompli son devoir de mère, donc c'est la ponte. Elle a déjà tout donné la source de nourriture nécessaire pour ses bébés. Et ensuite, eux, ils vont se débrouiller tout seuls. Ils vont émerger. Et ils vont faire le même travail qu'elle. Ensuite, ça ici, c'est une abeille cotonnière. Donc, c'est une petite Antidium. On peut voir la plante, elle a plein de petits poils blancs sur elle. Mais l'abeille, elle va les ramasser avec ses petites mandibules et ses pattes et elle va se faire une petite boule. C'est vraiment mignon, on dirait une petite boule de laine. Puis elle va amener ça jusqu'à son nid. Donc on peut voir sa petite boule ici qu'elle tient entre ses pattes. Puis là, ses mandibules qui travaillent pour couper le poil de la plante et ramener ça à son nid. Elle travaille fort, ça. Ils travaillent toujours fort, les abeilles. Voilà. Et ensuite, ici, c'est une abeille maçonne. Donc, je vais vous montrer la vidéo au complet. C'est super intéressant. A transformation Oups. has taken. OK. Donc, ça, c'est un petit mâle qui va sortir de sa petite cellule d'abeille. Là, je vais avancer quand même un petit peu la vidéo. Bon. Elle va émerger, elle va sortir de l'œuf. Ensuite, ici, c'est le mâle qui va aller se nourrir. On peut voir qu'il a sa petite paille qui va rentrer pour aller chercher du nectar dans les fleurs. Ensuite, les mâles, souvent, chez cette espèce-là, les mâles vont naître avant les femelles. Donc là, le mâle, oups, il essaie de s'accoupler, mais il se rend compte que c'est un autre mâle. Donc là, il s'en va à la recherche d'une femelle. Souvent, les mâles vont naître plus tôt que les femelles. Comme ça, dès que les femelles vont naître, les mâles vont pouvoir sentir leurs phéromones, les trouver et s'accoupler. Donc là, le mâle il a trouvé une petite femelle. Donc là, il s'accouple. Et ensuite, une fois qu'elle est fécondée, la femelle, elle va se mettre au travail. Le mâle, généralement, après l'accouplement, il va mourir. Mais la femelle, elle, ne fait que commencer à travailler. Donc là, elle va chercher du nectar sur des petites myosotis, des petites fleurs. Et là, hop, elle va retrouver, encore une fois, ça c'est un petit nid que des gens ont construit pour héberger des abeilles maçonnes comme ça ici. Bon, là, il y a déjà une autre abeille qui pondait, donc là, ils se sont chicanés un peu, mais là, chacune a trouvé son trou. Là, ils vont construire des petites cellules comme ça. Ils vont pondre dans les cellules et c'est un peu le même principe que dans l'autre vidéo avec les feuilles. C'est juste que là, elles, les abeilles maçonnes, elles vont prendre de la terre, puis la salive, puis là, ils vont créer une petite boue. Comme ça ici.
Donc, c'est bien compact et ils vont sceller ça. Puis avec l'air, ça va sécher, ça va pâlir, puis ça va devenir comme ça ici. Donc, ça va être bien, bien bloqué, bien fermé. Puis on veut voir toutes les petites abeilles qui pondent et qui travaillent là. Donc, on peut bien voir ses petites mandibules ici, ses antennes, ses petits poils sur sa tête, sur son corps, un peu partout. Et c'est pas mal ça. C'est la fin de la vidéo. OK, finalement. Donc, cette famille-là d'abeilles sont aussi des abeilles solitaires. Donc, toutes les abeilles que j'ai présentées, c'est des abeilles, ben, les abeilles, les familles d'abeilles, à part l'abeille à miel. Toutes les familles que j'ai présentées, c'est des abeilles solitaires. Donc, les caractéristiques de cette famille-là, c'est que le corps est recouvert de poils. Il y a certaines espèces qui sont glabres. Glabres, ça veut dire qu'ils n'ont pas de poils, par contre. Donc, ça peut varier d'une espèce à une autre. Il y a toujours des exceptions. Puis, elles vont avoir un jabot. Donc, elles ne vont pas garder le pollen sur leurs pattes parce que leur pollen, ils vont le garder dans le jabot. C'est comme s'il y avait un deuxième estomac ou c'est comme un sac qui va entreposer le pollen dans leur corps. Donc, elles, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de poils, c'est qu'elles n'en ont pas besoin. Les poils chez les abeilles servent à collecter le pollen, mais si elles collectent leur pollen dans leur corps, dans le jabot, ben, ils n'ont pas besoin de poils. Sinon, souvent, ils vont être de couleur plus foncée, puis ils vont avoir une tache de couleur contrastante sur la tête. Comme là, ici, le corps, il est tout noir. On voit du jaune, mais le jaune, c'est le pollen. Puis hop, ici, il va avoir une tache blanche sur la tête. Celle-ci, hop, elle est toute noire, puis une tache, tache blanche, j'ai dit tache blanche, une tache jaune sur la tête. Et ici, une tache jaune aussi sur la tête et un petit peu de jaune sur le corps. C'est aussi des abeilles qui vont nicher dans le sol. Et eux, ils vont recouvrir leur nid d'une substance imperméable pour bien la protéger de la pluie. Ensuite, je pense que la dernière famille d'abeilles que je vais présenter, ce sont les apidées. Donc, c'est la famille des abeilles domestiques et des bourdons. Donc, eux, dans cette famille-là, il y a des espèces qui sont sociales et des espèces qui sont solitaires. Donc, il y en a même qui sont kleptoparasites. Donc, ils vont voler soit le nid, carrément le nid au complet, ou la nourriture de d'autres espèces d'abeilles. Et sinon, il y a les abeilles, cette famille-là regroupe des abeilles charpentières qui, eux, vont creuser leur nid dans du bois. Donc, on peut voir différentes, on peut voir sur sa patte ici, la petite corbeille à pollen. Puis ici aussi, sur ses pattes, elle n'a pas de corbeille, mais le pollen s'accumule un peu partout sur ses pattes. Et celle-là, son corps est recouvert de poils, donc elle a du pollen un peu partout. Donc, on est rendu aux bourdons. Donc, les bourdons sont aussi des insectes sociaux. Donc, comme les abeilles, en fait, ils ont des castes. Le système, la société est un peu organisée de la même manière que chez les abeilles. Une caractéristique pour reconnaître les bourdons, c'est qu'ils vont avoir un corps trapu. Donc, les bourdons, c'est vraiment des petites boules de poils, là, sont vraiment trop mignons. C'est vraiment des petites boules avec du poil partout sur le corps. Et ils ont un corps trapu, donc tout seul, poilu et trapu. Sinon, leur alimentation, ça va pas mal être du nectar, du pollen et du miel. Puis là, j'avais quelques questions pour vous. Vous pouvez mettre pause, je vais enchaîner. Mais est-ce que les bourdons peuvent piquer? Bon, je vais tout de suite répondre à la question. Les bourdons peuvent piquer. Ils ont un dard. Les bourdons femelles peuvent piquer. Celles-là, ils ont un dard. Les bourdons mâles, ben, ils n'ont pas de dard. Donc, eux, on peut les prendre puis ils ne vont pas nous piquer. Mais là, rendu là, si vous n'êtes pas capable de faire la distinction entre un mâle et une femelle, je vous recommande fortement de ne pas essayer de les prendre. Par contre, les bourdons sont quand même assez gentils, ils ne sont pas agressifs. Puis si on voit des petits bourdons là, en train de butiner sur des fleurs sur le bord du chemin, puis qu'on prend, on les tasse un petit peu avec nos mains, qu'on essaye de les flatter un peu, ils ne vont pas nous piquer, là. Ce n'est pas des insectes agressifs, puis ils vont pas. Si, un peu comme les abeilles, s'ils ne se sentent pas vraiment menacés, si on leur pile pas dessus, si on les garde pas dans notre main, puis qu'on la referme, ils vont pas nous piquer. C'est vraiment, ils sont gentils, les bourdons. Puis, aussi, autre question. Les colonies de bourdons vivent-elles dans des ruches, comme les abeilles? En fait, les bourdons, ils vont vivre un peu dans des nids, dans des ruches, mais ça ne sera pas suspendu dans les airs ou au sol comme les abeilles. Ça va être sous terre. Ils vont se creuser des terriers sous terre, puis là, ils vont avoir leur colonie. Donc, ici, c'est une colonie
de bourdon. Je trouve ça tellement mignon, là, je vous montre ça. Donc voilà, c'est un peu le même principe que pour les abeilles. Toute la colonie ici va avoir des petites cellules comme ça, là où il va avoir la ponte. C'est juste la reine qui va pondre. Il y a des ouvrières, il y a les mâles. Les mâles n'ont pas de dard. Les mâles servent à la reproduction. Après, ils meurent. C'est assez similaire, un peu comme chez les abeilles. Donc ça, c'est la petite colonie. On peut les voir, toutes les petites cavités, les petits bourdons qui se promènent un peu partout. Voilà. La prochaine vidéo, c'est une reine bourdon qui est en train de pondre dans les petites cellules. Donc, les cellules qui sont refermées, comme ça ici, c'est que il y a déjà eu une ponte. Il y a un œuf à l'intérieur, il y a une larve qui est en train de se développer. Alors que celles qui sont ouvertes comme ça, c'est qu'il n'y a pas encore eu d'œuf pondu à l'intérieur. Donc là, ça, c'est la reine qui est plus grosse que les autres, que les autres bourdons, qui pond dans la cellule comme ça, qui s'agrippe et elle va pondre. Chez les abeilles, c'est tout le temps un œuf par cellule. Chez les bourdons, ça peut être environ 4 œufs par cellule. Donc, c'est pour ça qu'on la voit qui reste plus longtemps, là, elle doit travailler un petit peu, là. OK, maintenant, on est rendu au guêpe. Donc, les guêpes peuvent être sociales ou solitaires. Donc, les guêpes à papier, comme on connaît, ça, c'est les guêpes sociales. Toutes les guêpes sociales vont avoir des grandes ruches avec plein de couches à l'intérieur. Donc, ça, c'est les couches qu'on connaît. Et les guêpes qui sont aussi attirées par notre nourriture. Mais les guêpes solitaires, c'est toutes ces guêpes-là ici. Donc, il y a une super grande diversité de guêpes. Souvent, nous, quand on va parler de guêpes, on va penser aux guêpes à papier. Mais il y a plein de guêpes solitaires, comme ceux qui n'ont pas du tout l'air de la guêpe à laquelle on va s'imaginer. Puis, c'est des guêpes aussi. Donc, il ne faut pas les oublier. Ils sont super importants. Puis, les caractéristiques pour les reconnaître, elles, contrairement aux abeilles et aux bourdons, ils n'auront pas le corps recouvert de poils. Bon, oui, on peut voir des petits poils ici, ici, mais c'est rien par rapport aux abeilles. Celle-là, elle a presque pas de poils. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Même celle-là, elle en a juste des tout petits. Elle n'en a même pas sur l'abdomen. Donc, c'est presque rien. Ils vont avoir la taille de guêpe qui va être beaucoup plus évidente que chez les autres, chez les abeilles et les bourdons. Puis même, il y a certaines guêpes qui ont une taille de guêpe qui est vraiment longue, comme ça ici. Donc, c'est comme s'il y avait un super long espace entre le thorax et l'abdomen. Là, ici, la taille de guêpe est toute mini. On voit super bien la distinction entre l'abdomen qui est tout fin et le thorax ici. Même chose ici, taille de guêpe super évidente. Ici aussi, ici aussi, ici un peu moins. Donc, les guêpes peuvent avoir des couleurs variables, comme vous voyez, des couleurs, mais pas juste des couleurs, mais des formes aussi variables, comme celle-ci. Celle-là avec un abdomen super long. Il y en a qui ont un ovopositeur, donc pour pondre les œufs super longs. Donc, ça a l'air d'un dard, mais c'est un dard modifié en ovopositeur. Donc, ça, c'est un organe spécialisé pour pondre les œufs. Et sinon, les guêpes vont avoir un dard, donc tout le temps associé avec une glande à venin. Donc, toutes les guêpes qui peuvent nous piquer, ils ont une glande à venin qui va sécréter le venin qui va être injecté à partir du dard. Donc, l'alimentation des guêpes, ça va dépendre si c'est des espèces sociales ou solitaires. Donc, pour les espèces sociales, c'est les larves qui vont les nourrir. En fait, une fois que les guêpes vont les nourrir, les larves vont sécréter une substance que les guêpes adultes vont pouvoir remanger. Et sinon, les guêpes solitaires vont se nourrir de sucres divers. Et s'il manque de nourriture produite sécrétée par les larves, ils peuvent aussi se nourrir, les guêpes sociales, de sucres divers à base qui viennent des plantes et sinon d'autres insectes. Donc, aussi, les guêpes sont moins importantes, ne sont pas vraiment importantes en fait pour la pollinisation parce que leur langue ou leur pièce buccale est trop courte pour aller chercher le nectar des fleurs. Donc, ils vont moins se promener autour des fleurs, moins que les abeilles du moins. Donc ici, tantôt, je parlais de la guêpe à papier. Donc, c'est elle, la fameuse guêpe à papier. En fait, il y a plusieurs espèces. Il y a les vespidés, donc il y a plusieurs espèces
parmi cette famille-là, mais les guêpes qui sont toutes cette forme-là, cette couleur-là, la coloration jaune noir qui alterne avec le corps comme ça, pas de poils et qui font des grosses ruches comme ça, ben on les appelle les guêpes à papier. Puis c'est les guêpes qui sont attirées par l'odeur de notre nourriture, puis par l'odeur, ben en tout cas les guêpes qui peuvent nous piquer, là, celles qu'on connaît puis celles auxquelles on pense quand on parle des guêpes. Sinon ça c'est toutes les cellules dans la ruche, puis on peut voir ici, ça c'est les cellules dans lesquelles il y a des larves en croissance qui sont en train de se développer. Puis ça, c'est la ruche au complet. Sinon, il y a d'autres abeilles, les abeilles solitaires, elles, qui vont faire des cellules, des petits nids différents. Donc, elles, ils vont faire des petits nids comme ça pour ils vont prendre un œuf, pardon, un œuf par petite boule ici. Donc là, elle en a fait une. Elle va prendre différentes substances. Ça peut être de la terre qu'on va mélanger avec de la salive, ça peut être du bois qu'ils vont râper. Ça va vraiment dépendre de l'espèce de la famille. Mais ici, on peut voir qu'il y a une petite ouverture là. Donc, la guêpe, elle va rentrer. Souvent, il y a des guêpes qui vont paralyser des araignées, qui vont la piquer. Puis là, l'araignée, elle ne pourra plus bouger. Ensuite, la guêpe va la prendre et elle va l'emmener jusque dans son petit nid comme ça. Elle va mettre l'araignée à l'intérieur et ensuite, elle va pondre un œuf dans le nid, sur l'araignée. Elle va mettre l'araignée dans le nid et ensuite, elle va refermer comme ça ici. Donc, comme ça, quand la larve va naître, elle va avoir l'araignée encore vivante, mais juste paralysée. Donc, l'araignée est encore vivante, mais elle ne peut plus bouger. Elle a la larve de la guêpe sur elle, et la larve de la guêpe, quand elle va naître, elle va commencer à se nourrir de l'araignée, comme ça. Puis, quand elle va finir son développement dans le petit nid, puis quand elle va naître, elle va sortir, puis on peut voir ici, elle va gruger un petit trou dans la cellule et elle va sortir par là. Donc, c'est le même principe ici, une grosse cellule. Puis la guêpe, elle pond, puis elle rentre la nourriture, les araignées, puis ses œufs ici. Puis même principe ici. C'est un peu comme les cellules des guêpes sociales. C'est juste que elle, une seule guêpe va faire plein de cellules comme ça. Puis quand elle va pondre, hop, elle va refermer comme ça ici. Elle pond ici, ici, ici dans les trous. Puis quand elle sait qu'elle a pondu dedans, puis que tout est beau, qu'il y a une source de nourriture, il y a l'araignée et l'œuf, elle va refermer. Donc ici, c'est juste pour vous montrer une petite vidéo. C'est quelqu'un qui a trouvé des cellules d'une guêpe, maçonne comme ça ici. Puis là, elle va l'ouvrir pour garder toutes les araignées à l'intérieur. Les araignées que la maman guêpe a collectées. Donc là, il arrache ça de là où c'était collé. Ensuite, il va fracasser les cellules. On peut voir que c'est super dur, là. C'est comme la petite poterie. Et là, il ouvre ça et on peut voir, ouh, il y a plein, plein, plein d'araignées à l'intérieur. Donc ça, c'est plein d'araignées que la mère... Oh non. C'est plein d'araignées que la mère guêpe a piquées. Donc toutes ces araignées-là sont encore vivantes. C'est juste qu'elles sont paralysées. Donc c'est un gros garde-manger que la guêpe a fait pour nourrir ses bébés. Plein d'araignées là-dedans. Donc, la guêpe a ramassé toutes ces araignées-là, elle les a toutes amenées, rentrées par le petit trou et mises dans les cellules pour s'assurer que ses progénitures ne manquent pas de nourriture dès leur naissance. Prochaine vidéo, c'est le même principe, sauf que là, on voit la guêpe et on voit l'œuf sur l'araignée. Donc, Hi guys. Ça, c'est la cellule que le monsieur a ouverte. On peut voir des araignées aussi, un petit peu partout, ici, ici. Ensuite, ça, c'est la guêpe. Et là, on peut voir, oh, la guêpe bouge encore. Là, on peut voir l'araignée et hop, ici, il y a l'œuf que la guêpe a pondu sur l'araignée. Donc, comme ça, c'est la larve, quand elle va naître, elle va sortir et elle va déjà être sur son garde-manger. Puis elle va pouvoir grignoter l'araignée et se développer comme ça. Même chose ici. La grosse araignée avait un œuf de guêpe ici.
Donc voilà. Donc là, si vous trouvez des cellules comme ça, vous savez que c'est des guêpes maçonnes qui ont pondu. Là, je vous montre ça en vidéo, mais je vous recommande pas d'arracher les cellules puis de les briser pour garder les araignées à l'intérieur. Maintenant que vous l'avez vu, vous n'avez pas besoin de le faire. De toute manière, c'est bien de laisser les cellules en place intactes puis juste apprécier les regarder. Souvent, vous allez voir la guêpe faire des allers-retours, aller porter des araignées, puis je trouve ça plus intéressant regarder la guêpe faire vivante plutôt que de la voir morte comme ça puis tout défaire le travail qu'elle a fait. Ensuite, on est rendu avec les fourmis. Donc, les fourmis, je pourrais faire un cours complet sur les fourmis, mais malheureusement, il reste plus beaucoup de temps pour que je me dépêche. Puis, il y a tellement de matière, là. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse, je vous encourage fortement à aller regarder des vidéos sur YouTube sur les fourmis, puis même de vous renseigner sur elles parce qu'elles sont super intéressantes. On parle surtout des abeilles, mais les fourmis c'est des insectes sociaux aussi, ils ont des castes, sont super complexes. Les colonies sont encore plus grandes que celles des abeilles. Il peut y avoir des millions d'individus, là, pas juste 40 000 individus, là, des millions, plusieurs dizaines de millions et plus d'individus dans une même colonie. Donc, c'est super impressionnant, les fourmilières. Donc, pour reconnaître les fourmis, ben, il y en a qui vont avoir des ailes, comme celle-là ici, puis d'autres qui n'auront pas d'ailes, comme celle-là ici. Et ici, on peut voir des fourmis qui n'ont pas d'ailes, puis d'autres qui en ont. Et sinon, ah oui, puis celles qui ont des ailes, ben, c'est celles qui vont devenir des reines, donc celles qui sont fertiles. Et celles qui n'ont pas d'ailes, ben, c'est les ouvrières, donc celles qui ne sont pas fertiles et qui ne vont pas pondre. Ensuite, une autre caractéristique pour reconnaître facilement les fourmis, ben, c'est que oui, ils ont la taille de guêpe, mais c'est que leurs antennes sont coudées. Donc, coudées, le truc pour s'en rappeler, c'est un peu comme quand on plie notre bras. Ben, quand on plie à l'articulation du coude, ben, ça fait un peu la même forme, leurs antennes. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ces antennes-là coudées, c'est qu'ils ont tout le temps le petit pli comme si on pliait notre coude, là, ici. Ben, on ne plie pas notre coude, on plie notre bras, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, les fourmilières sont formées de castes, tout comme les ruches d'abeilles, tout comme les essaims d'abeilles et les essaims de bourdon. Donc, c'est des castes qui vont dépendre en fonction de l'âge, mais aussi en fonction de la taille. Donc souvent, chez les abeilles, c'était le rôle de l'ouvrière variait et changeait en fonction de son âge. Donc plus elle était vieille, plus elle avait des tâches importantes. Sauf que chez les fourmis, il y a ça comme hiérarchie, mais il y a aussi la taille. Donc des fois, il y a des ouvrières, ils ont le même poste, le même rôle, mais il y en a qui sont plus petites, il y en a qui sont moyennes, et il y en a qui sont grandes. Donc ça va un peu changer leur statut. Et eux, les fourmis ne vont pas communiquer à l'aide de danse comme les abeilles, mais eux vont surtout utiliser des phéromones. Donc ça, c'est un mot compliqué pour dire ils vont libérer des produits chimiques ou un peu comme une odeur. C'est pas une odeur comme nous, on pourrait le sentir, mais c'est un peu comme une odeur pour eux. C'est des produits chimiques, puis c'est avec ça qu'ils vont communiquer plein d'informations différentes. Les fourmis vont avoir plusieurs comportements super intéressants. Entre autres, il y a des colonies de fourmis qui sont nomades. Comme nous, souvent, on va se promener puis on va voir des petits tas de sable puis on va voir un petit trou au bout. Ben ça, on voit que c'est un nid de fourmis, une petite colonie. Puis là, ben, il y en a plusieurs petites sorties comme ça. Puis c'est un réseau avec plein de canaux sous terre. Mais il y a des fourmis aussi en Afrique ou partout à travers le monde qui sont connues pour être nomades. Donc, elles, ils n'ont pas de nid. Ils font juste se déplacer tout le temps. Ils n'ont pas de domicile fixe. Ils n'ont pas de maison. Ils font juste se déplacer. Puis ils vivent avec ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Donc ça, c'est super intéressant. Il y en a d'autres qui sont inquilines. Donc ça veut dire qu'ils vont être pas parasites, pas autres, mais c'est comme s'ils s'invitaient chez les gens. Donc ils vont aller dans d'autres colonies de fourmis, puis ils vont se faire passer pour les fourmis de la colonie originale, puis ils vont exploiter les ressources. Donc c'est comme si toi, tu te déguisais en ton ami, tu prenais son nom, puis là, tu allais chez eux, puis là, tu te faisais passer pour ton ami ou pour son frère ou sa sœur, et là, tu te mettais à manger dans son frigo, à dormir dans sa chambre, à prendre ta douche dans la salle de bain. Donc, c'est comme ces fourmis-là, il y en a qui font ça, que c'est ça leur mode de vie, qui n'ont pas le choix, que des fois, ils dépendent, il y en a qui n'ont pas le choix de le faire, puis ils vont s'inviter chez les autres, d'autres insectes, des fois, c'est même pas des fourmis,
Puis c'est ça, ils vont profiter des ressources de l'autre espèce. Puis il y a des fourmis tisserandes et des fourmis charpentières. Donc les charpentières, il y a plein de monde qui les connaissent. C'est des fourmis qui peuvent être considérées comme étant nuisibles parce qu'ils vont se nourrir de bois. Donc, il y a des chalets, des cabanons, des maisons qui sont construites, puis qu'il y a beaucoup de bois. Puis les fourmis charpentières peuvent faire beaucoup de dommages parce qu'ils vont gruger le bois, puis ça va détruire les structures comme ça. Donc, ici, ça, c'est une petite vidéo que j'ai filmée moi-même l'été passé. Puis tantôt, quand je vous disais qu'il y a des fourmis qui ont des ailes, d'autres qui n'ont pas d'ailes, ben, les fourmis qui ont des ailes, c'est les fourmis qui peuvent s'accoupler. Donc, les fourmis qui sont fertiles, qui peuvent faire des bébés. Donc, ici, c'est la super grosse. Ben, c'est une femelle. On voit sa paire d'ailes, puis son super gros abdomen. Puis ici, il y en a deux. C'est deux petits mâles. Les mâles, souvent, chez les insectes, vont être plus petits. Donc, là, on peut voir deux mâles fourmis qui essayent d'accoupler la femelle. Donc, la femelle se déplace et là, hop, il y a les deux mâles qui se chicanent pour la femelle puis qui essayent de l'accoupler en même temps. C'est bien drôle. Voilà. Ici, les fourmis ont aussi ce comportement-là qu'on appelle la trophallaxie. Puis ça, c'est un peu comme les oiseaux qui se donnent la béquille. Les fourmis vont mâcher la nourriture, puis après, ils vont comme régurgiter la nourriture dans la bouche d'une autre fourmi pour se partager la nourriture. Puis sinon, c'est comme ça qu'ils vont nourrir les larves. Donc là, c'est une nourriture. La nourriture n'est pas rouge, c'est juste que les gens y ont coloré la nourriture rouge pour qu'on puisse plus facilement la voir, puis voir où les fourmis l'amenaient et tout le parcours de la nourriture dans la colonie. Donc là, il y a cette petite fourmi-là qui amène un bout de nourriture ici. Et là, hop, les fourmis vont s'échanger la nourriture. Elle va mâcher le tout petit bout de nourriture. Et là, ensuite, elle va aller l'amener à la larve, donc au bébé fourmi. Elle va prendre un petit bout de nourriture et là, ensuite, elle va le mâcher et elle va le régurgiter et elle va le donner au bébé fourmi. Puis puisque la nourriture est rouge, puis que la larve est blanche, transparente, ben, on voit la nourriture rentrer. On voit la larve manger la nourriture. Comme on voit ici. Pardon, je parle beaucoup, là j'ai la gorge sèche. Mais ici, on voit du rouge. Donc ça, c'est la nourriture que la larve a mangée. Puis on voit ici la nourriture qui va se déplacer de la bouche à l'estomac de la larve. C'est vraiment drôle de voir ça. Regardez bien. Encore une fois, bon, là, on le voit un peu moins bien, mais on voit le rouge qui passe, puis qui rentre, puis qui va juste ici. On le voyait mieux tantôt. Ici, là. Voilà. Sinon, tantôt, je vous parlais de la communication chez les fourmis. Mais les fourmis, elles, c'est les phéromones. Les phéromones, c'est les molécules chimiques qui vont se transmettre. C'est un peu comme s'ils sentaient ce que les autres voulaient leur dire. Donc là, ici, ça, c'est une colonie de fourmis qui est aveugle. Mais c'est pas grave qu'ils soient aveugles parce qu'ils communiquent avec des signaux chimiques. Sauf que le problème, c'est que quand le signal chimique, donc le signal, ça peut être soit « Ah, oh, il y a de la nourriture ici » ou un signal de « Ah, oh, faut attaquer » ou un signal de détresse, faut se regrouper, aller sauver une fourmi, un signal de trace, ah, j'ai passé par là, faut passer par là pour aller chercher la nourriture. Donc, tous ces différents signaux-là peuvent être transmis à travers les molécules chimiques. Sauf que quand il y a une molécule chimique qui doit indiquer le chemin aux fourmis, mais que les fourmis aveugles ont perdu le signal chimique, dès qu'il y a une fourmi qui s'est mise à tourner, elle a fait un tour avec son signal trace, et puisque les fourmis sont aveugles, elles sont toutes mises à suivre ce même chemin-là, sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils tournent en rond et qu'ils ne se rendent pas en quelque part. Donc là, plus qu'ils ne voient pas, ça fait un tourbillon comme ça de fourmis. Donc c'est vraiment impressionnant à voir. Bon, pardon, je vais boire un petit peu d'eau. Donc ici, on peut voir les fourmis qui font vraiment comme un petit ouragan, un tourbillon comme ça, parce qu'ils utilisent des phéromones pour communiquer, mais ils ont perdu
la trace du phéromone. Donc, ils tournent en rond puis ils suivent le même signal, mais qui n'a aucune direction. Et puis, est-ce qu'elles sont aveugles? Ben, elles ne s'en rendent pas compte. Donc, souvent, quand ça arrive, ben, les fourmis finissent par mourir d'épuisement, comme on peut même en voir qui ne bougent plus déjà parce qu'elles marchent en rond sans manger, sans rien faire. Elles suivent le signal et finissent par mourir malheureusement. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive des fois. Puis, ben, des fois, j'ai jamais vu ça, là. C'est pas. Je pense pas qu'il y a des espèces au Québec qui font ça ici. Sinon, les fourmis sont tellement intelligentes. Les fourmis sont travaillantes, sont fortes, sont autonomes. Ils sont super impressionnantes. Puis là, on peut les voir en train de se faire un pont. Ils veulent sûrement aller d'une plante à une autre ou se déplacer ailleurs sur des plus grandes distances. Mais ils sont pas capables parce que la plante est trop loin du support ici. Donc là, ils vont se faire un pont de fourmis. Donc, elles vont s'empiler les unes par-dessus les autres pour être capables de traverser. Donc là, je vais l'avancer un petit peu. Mais ils vont toutes, là, ils vont communiquer avec un phéromone. Sûrement qu'en ce moment, il y a des fourmis qui envoient des molécules chimiques qui disent, hey, on a besoin de monde, on a besoin de monde, venez. Et là, il y a d'autres fourmis qui sentent cette molécule-là, qui s'en viennent, et là, hop, ils vont commencer, il y en a déjà qui traversent, là. Donc, elles vont toutes se rejoindre, vont s'agglomérer comme ça, et là, ils vont se déplacer, ils vont passer par-dessus, puis là, ils vont pouvoir traverser. Donc, elles sont super ingénieuses, les fourmis. Voilà, ça fait leur petit pont. Puis, ils vont pouvoir le détruire quand ils en auront plus besoin. Ou rappeler d'autres fourmis s'ils en ont besoin de plus. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo aussi. Et finalement, les fourmis bien connues qui s'appellent les fire ants, les fourmis de feu, c'est des fourmis qui sont nomades, comme je parlais tantôt, des fourmis qui n'ont pas de nid à un endroit fixe, donc qui vont juste se déplacer puis trouver leur nourriture sur leur chemin. Donc ces fourmis-là sont super intéressantes parce qu'elles vont se faire des radeaux. Donc, puisqu'elles doivent se déplacer par elles-mêmes, ben, ils n'ont pas le choix des fois de parcourir des super grandes distances et des fois, ils n'ont pas le choix de se déplacer sur l'eau. Donc là, on peut voir que les fourmis vont faire un radeau, ils vont rester en plaque compacte comme ça sur l'eau, puis ils vont se déplacer, puis ils ne vont pas ramer. Leurs pattes sont beaucoup trop petites pour ça, mais ils vont se déplacer déplacer comme celles du haut vont passer par-dessus, celles de derrière vont aller en avant. Donc là, ils vont faire comme une sorte de rotation, ils vont changer de place, ce qui va faire avancer la colonie. Puis évidemment, la reine, puis les œufs vont être gardés sur le dessus pour être protégés parce que là, il y a plein de poissons qui en profitent puis qui vont se nourrir de ces fourmis-là. Mais les fourmis les plus importantes, donc la reine, les œufs, ils vont rester sur la couche du dessus, plus au centre, pas sur les bords. Et là, les fourmis vont se déplacer comme ça pour traverser le cours d'eau. Et là, hop, dès qu'ils atteignent une source, un endroit où ils peuvent marcher, ils vont transporter ce qui est plus important, les œufs. On voit toutes les petites boules blanches qui montent. Donc là, les fourmis vont tout de suite déplacer les œufs jusque sur l'arbre, jusqu'en haut pour se déplacer, pour trouver d'autres proies. Et là, ils vont se nourrir de tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Donc, les fire ants, c'est des fourmis qui sont reconnues aussi pour leur morsure qui est très douloureuse. Donc, quand ils se mettent à plusieurs, ils peuvent attaquer des petits reptiles, donc plein d'autres animaux qui, une fois qu'ils se font attaquer par une immense quantité de fourmis, ben, il est trop tard, c'est fini, là, ils peuvent pas survivre. Bon, on est fini avec les hyménoptères. J'espère que ça n'a pas pris trop de temps. Donc, maintenant, il reste seulement trois ordres à présenter. Ce sont les strepsiptères, neuroptères, mégaloptères. Donc, ici, les strepsiptères, il y en a seulement 27 espèces au Canada. Je vais passer assez vite sur ce groupe-là parce que c'est des mini, mini, mini insectes. Leurs caractéristiques, ben, c'est justement qu'ils sont microscopiques, mais aussi ils sont parasitaires d'abeilles et de guêpes. Donc, c'est des insectes qui vont vivre dans le corps des abeilles
et des guêpes, en fait, dans l'abdomen, comme ça ici. Et pour les reconnaître, on peut voir que, ben, en fait, vous vous rappelez les mouches? Les mouches, je parle tout le temps des mouches, puis je ne les ai même pas encore présentées, c'est le cours prochain. Mais les mouches, ils ont seulement une paire d'ailes, puis en arrière, ils ont les petits balanciers, j'en avais parlé au premier cours. C'est des haltères qui vont les aider à s'ériger puis à garder leur équilibre pendant qu'ils vont voler. Ben, les strepsiptères, ils ont ça aussi, c'est juste que c'est l'inverse. Les mouches, ils ont leurs ailes antérieures normales, qui sont grandes, puis ils ont les petits haltères en arrière. Ben, les strepsiptères, c'est l'inverse, ils ont les ailes postérieures qui sont bien développées, comme ça ici. Puis c'est les ailes antérieures qui sont atrophiées, réduites et modifiées en petits balanciers, en haltères, comme ça ici. La reproduction est vraiment particulière chez les strepsiptères parce que la femelle va jamais devenir adulte. Le mâle va naître et là, il va trouver la femelle dans l'abdomen qui va vraiment être pas complètement à l'intérieur. Là, ça, c'est normal. Là, c'est pas quelqu'un qui a sorti la femelle pour prendre la photo. C'est la femelle qui vit vraiment comme ça, entre les plaques de l'abdomen des abeilles ou des guêpes. Là, le mâle, il va voler puis il va trouver une femelle. Et quand il va trouver la femelle, il va s'accoupler entre le thorax et la tête de la larve, de la femelle qui est encore bébé, qui est encore sous forme de larve. Et là, quand ils vont s'accoupler, ben la femelle va tomber enceinte, mais encore sous forme de larve. Mais elle ne va jamais devenir adulte parce que la larve va la dévorer. C'est à la place, tantôt, là, les guêpes, ils prenaient une araignée pour que le bébé ait une source de nourriture directement quand il va naître. Ben, c'est la même affaire ici, c'est juste que là, la source de nourriture, ben, c'est pas une araignée, c'est la mère. Donc, le bébé va manger sa mère, puis après, il va sortir de l'abeille, il va tomber au sol, puis il va attendre qu'il y ait une prochaine abeille, une prochaine guêpe qui va arriver, puis il va la parasiter, puis il va rentrer à l'intérieur, puis le cycle va recommencer. Donc, des insectes très spéciaux, avec un mode de vie très particulier. Puis très petits, donc vous risquez pas vraiment de trouver, mais je vous laisse vous en parler parce qu'ils sont quand même intéressants. Puis je veux quand même passer à travers tous les ordres d'insectes au Québec. Ensuite, maintenant, ce sont les neuroptères. Donc les neuroptères, il y en a environ 4 600 espèces dans le monde et 43 au Canada. Donc eux, ils ont un cycle de développement qui est holométabole, donc complet. Donc, il y a la larve, ensuite il va avoir la nymphe et là il va avoir l'adulte. Donc, il va avoir les trois stades. Et les adultes sont très différents. C'est ben, très différent. Il y a les mantis spidées ici qui ressemblent un peu à des mantes religieuses, mais qui sont aussi qui font partie des neuroptères et non de l'ordre des mantes religieuses. C'est pas le même groupe. Et ici, ça c'est deux adultes, chrysope. Donc, ça c'est la chrysope aux yeux dorés. Donc, souvent les adultes neuroptères, ils vont avoir des ailes très fines, ils vont avoir une apparence très fragile et ils vont avoir beaucoup de petites nervures. Donc, toutes les petites lignes que vous voyez, c'est des nervures dans les ailes. La larve va être carnivore et va se nourrir de d'autres insectes à corps mou. On peut voir ses mandibules qui sont assez solides. Puis même, en fin de semaine, j'en ai manipulé une. J'ai donné des coups de filet, j'en ai trouvé. Là, je cherchais des insectes, puis là, j'en ai mis une sur moi. Puis elle m'a comme pincé un petit peu. Puis elle était minuscule, là, elle mesurait peut-être 6 mm. Mais j'ai quand même senti sa morsure, quand même. Ça m'a pas fait vraiment mal, mais quand même, pour sa taille, c'est impressionnant. C'est sûr qu'elle peut passer à travers le corps mou d'une petite chenille ou un petit ver, c'est sûr. Et finalement, mégaloptères. Les mégaloptères, c'est le dernier ordre que je vais présenter aujourd'hui. Il y a environ 300 espèces dans le monde et 43 espèces au Canada. Eux, leurs larves sont aquatiques et prédatrices. Donc, ça, c'est une grosse larve de mégaloptère. Donc ça paraît pas là, mais c'est quasiment aussi long que mon index là. C'est super grand, puis c'est large, ça a plein de pattes, c'est très intimidant. On voit les grosses mandibules ici. Ben, c'est normal parce que les larves sont prédatrices, donc ça va leur permettre de dévorer d'autres insectes aquatiques. Et sinon, leur cycle de vie va souvent se prolonger sur plusieurs années. Ils vont avoir un cycle de développement holométabole, donc comme les papillons. S'il y a une larve comme ça, ben c'est qu'il y a une nymphe, un stade immobile, et qui ne se nourrit pas, et finalement l'adulte, comme ça ici, elle est et qui peut se reproduire. Les adultes vont rarement se nourrir. Leurs pièces buccales sont pas faites pour ça, sont pas adaptées pour l'alimentation. Et finalement, ils sont juste présents pour quelques jours. On ne va pas les voir très souvent. Ils vont avoir certaines périodes fixes pendant l'été pour les voir. Puis les adultes ne vont pas vivre très, très longtemps de toute manière. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que vous avez aimé la séance, que c'était pas trop long. Puis j'espère vous voir la semaine prochaine. Puis sinon, ben, c'est pas grave, vous écouterez l'enregistrement. J'espère que vous avez aimé ça aujourd'hui. Puis bonne fin de soirée, bonne fin de journée tout le monde.